même si l'Afrique est diverse, si elle doit donner des réponses diverses aux enjeux, ce club a confirmé que centré sur l'Afrique centrale, que l'Afrique centrale a les mêmes enjeux que les autres régions que nous avons parcourues jusqu'à présent en termes de légitimité, en termes de légitimation de la gouvernance, parce que nous avons fait Bamako pour l'Afrique de l'Ouest, pour le Kwané pour l'Afrique australe, Arusha pour l'Afrique de l'Est, et cela, c'est la quatrième étape en Afrique, qui est pour l'Afrique centrale. Les enjeux de la gouvernance se posent dans les mêmes termes dans toutes les régions d'Afrique qu'on a visitées pour le moment. Deuxièmement, on est parti sur qu'est-ce qui fonde la légitimité. Je crois qu'il est sorti aussi pour l'Afrique centrale, comme les autres régions, que la légitimité est fondée d'abord sur les traditions, des populations. La tradition, ça veut dire tout le patrimoine institutionnel des populations. La légitimité est fondée sur les religions qui confèrent la légitimité, soit aux personnes, soit aux institutions qui sont dans lesquelles ces personnes sont. La légitimité est fondée aussi sur les élections, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, c'est une partie de la légitimité. Je crois qu'un aspect important qui sort sur ça, sur les fondements de la légitimité, c'est qu'en Afrique centrale, il est apparu clairement que la force n'est plus une base de la légitimité, comme c'était dans le cas il y a un certain nombre d'années à raison des coups d'État qui permettaient à des gens, par la force de l'arme, par la force des armes, d'accaparer le pouvoir. Donc cela est en train progressivement de disparaître en termes de légitimation de l'exercice du pouvoir. Voilà quelques aspects importants qui sont sortis dans les discussions que nous avons eues sur les sources de légitimité et de légitimation de l'exercice du pouvoir. Un quatrième aspect, je pense que la question du pluralisme et de l'utilisation, disons, plurielle des différentes légitimités est aussi apparue parce que nous avons eu une journée de débat sur le foncier, les questions du foncier, les règlements, les litiges. Et il est sorti très clairement que pour régler ce genre de litiges, il faut faire un mix, un mélange de différentes sources de légitimité pour pouvoir garantir la paix sociale, pour garantir la stabilité de la société. Je crois que ça aussi, c'est un aspect important.